Bonjour! Dans la chaleur. Alors, commençons par le commencement de la différence entre la contraception, avisée du coup de ne pas concevoir d'enfant, et la protection, qui sont quand même deux choses différentes. Protection et méthode de contraception, ce sont deux choses différentes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Maïzena, évidemment, bien sûr, entre deux cuillères dans ton McFlurry? Bah, la contraception, c'est spécifiquement pour éviter les grossesses, alors que tout ce qui est protection contre les maladies, c'est autre chose. Et en général, l'un va rarement sans l'autre. Alors, il y a juste quand même pour, comme tu le disais, savoir si tu vas avoir une méthode de contraception ou juste une méthode de protection vraiment efficace. Là, vraiment, la chose que nous, par laquelle on est passé, et une étape par laquelle je vous invite très fortement à passer, et même y compris si vous êtes en relation de couple ou quoi, depuis un petit moment, parce que vous pouvez être asymptomatique, c'est tout simplement de faire des dépistages. Le dépistage, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, le dépistage, et on en parlait cet après-midi avec des gens qu'on connaît. Moi, par exemple, dépistage, j'ai jamais été dépisté avant l'âge adulte, avant que moi-même j'aille avec une ordonnance du médecin, parce que je l'avais demandé, pousser la porte d'un cabinet d'analyse. Pour le faire, et vraiment, d'ailleurs, le dépistage le plus complet que j'ai pu faire, notamment incluant le dépistage de l'herpès qui est payant en France. Il y a un laboratoire qui analyse, c'est payant, le dépistage de l'herpès, faut le savoir. Même sur ordonnance, je l'ai fait qu'il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et d'ailleurs, je suis positif, comme la moitié de la population française. J'ai appris ça aussi. Et donc, il y a un défaut de dépistage. Moi, par exemple, je n'ai jamais été dépisté quand j'étais jeune, on ne m'en a jamais parlé, et le dépistage reste quand même le meilleur moyen de prévenir et d'adapter votre moyen de contraception à vos pratiques sexuelles, tout simplement parce que vous pouvez être asymptomatique, et d'ailleurs la plupart des jeunes sont asymptomatiques, mais ils peuvent avoir des conséquences très lourdes à long terme, parce que je rappelle qu'on ne guérit pas de l'hépatite B, on ne guérit pas de l'herpès, on ne guérit pas du VIH et on ne guérit pas du virus du papillome humain non plus. Si jamais vous l'avez, c'est pour la vie, donc c'est quand même mieux quand vous l'avez pas. Je n'y connais rien, mais n'ayant jamais eu de relation sexuelle, peut-on avoir une maladie dès la naissance autre que le sida, si vous savez? Parce que je me suis dit que j'ai jamais rien fait, ça sert à rien de me dépister, c'est peut-être pas une bonne idée. On connaît des cas, je crois qu'il y en a un dans ta famille, qui a été contaminé à cause d'une histoire de perfusion sanguine, je crois. Dans le cadre médical aussi, tu peux te retrouver infecté, il y a eu l'affaire du sang contaminé en France. J'ai un de mes oncles qui a chopé une hépatite pendant son service militaire. Voilà. Et on en avait parlé la dernière fois, il y a une autre population qui est aussi à risque, et c'est assez récent, hein, c'est depuis les années 2010, c'est les personnes âgées de plus de 50 ans, parce qu'en fait, les personnes âgées de plus de 50 ans, précisément, si on fait la différence ici entre la protection et la contraception, c'est que les personnes de plus de 50 ans, souvent, ne font pas la différence entre la protection et la contraception, elles disent, bah, ménopause, YOLO, plus besoin de se protéger, et donc, fatalement, elles se retrouvent à être victimes de tout un tas d'IST, parce que, donc IST, infection sexuellement transmissible, MST, maladie sexuellement transmissible, voilà, juste qu'on... Les deux ont l'air d'être à peu près synonymes quand même, mais voilà. Non, mais c'est qu'avant on disait MST, et maintenant c'est plus maladie, c'est infection. Voilà, infection. Et en fait, comme maintenant les personnes sont sexuellement actives plus longtemps, qu'il y a des divorces, que les vieux peuvent aussi être sur Tinder, hein, globalement, eh bien, les nouveaux séropositifs... Il n'y avait que 12% de nouveaux séropositifs qui touchaient les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans, ils ne pesaient que pour 12% des nouveaux séropositifs au début de 2010. Maintenant, ils sont 20%. Ça pèse 20%. Je voulais réagir par rapport à ce qui se dit sur le chat, par rapport au papillomavirus. Oui. Vu que nous, justement, on a eu la discussion avec ma gynéco. Alors, en fait, c'est pas que le vaccin contre le papillomavirus est réservé pour les jeunes. C'est juste qu'en France, la Sécu s'est pris en charge jusqu'à 18 ans ou 25, je sais plus ce qu'elle avait dit. 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Et à partir passer 25 ans, en fait, c'est plus pris en charge par la Sécu. Et sauf dans les cas des hommes homosexuels. Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Du coup, ma gynéco disait que des fois, ça lui arrivait de faire des... Déclarer les hommes gays. De déclarer des mecs homosexuels pour qu'ils puissent se faire rembourser. Et en fait, elle expliquait qu'elle trouvait ça un petit peu débile parce qu'en fait, dans des pays comme genre en Australie où ils continuent à tester les gens et à vacciner les gens même à l'âge adulte, en fait, c'est quand même vachement mieux parce que certes,
Le vaccin, il t'immunise que contre 3 ou 4 souches. Il y en a genre 14, je crois, au total. Comme mais ça, au final, bah, il vaut mieux être quand même un petit peu protégé. Enfin, même si tu as été exposé à 3 souches, bah, peut-être que c'est la quatrième, tu vois, qui risque d'être... Le vaccin, il est... Le vaccin... Alors nous, ce que nous a dit la gynéco, c'est que le vaccin, il est efficace sur les souches en question. Tu ne sais pas auquel tu es exposé. C'est ça, en fait. Et donc, en fait, c'est un calcul de la sécu. C'est un calcul infectieux, en fait. Est-ce que ça vaut le coup en termes de moyens de couvrir toute une population, sachant qu'on ne couvre pas... C'est comme pour le Covid, avec les histoires de vaccins du Covid, où tu avais plusieurs variants. Il fallait du coup potentiellement revacciner plusieurs fois, faire un suivi, etc. Et donc vous pouvez hein, aujourd'hui vous faire vacciner, si vous le souhaitez, contre le papillomavirus, sauf que ça coûte super cher. C'est ça. Ça coûte dans les 500 balles, puisque c'est 3 injections à plus de 150 euros. Bah c'est ça, c'est 170, je crois, elle avait dit, la voilà. Dose. Il faut savoir que donc c'était les chiffres d'Angleterre, qui viennent d'Angleterre, mais la moitié des cas de chlamydia concernaient des personnes de plus de 50 ans. Et entre 2014 et 2018, le nombre de diagnostics d'IST chez les plus de 65 ans a augmenté de 23%. Donc globalement, les vieux, ils s'en battent les couilles, vraiment. Et c'est une maison de retraite. Vraiment, bravo. Donc... Une fois qu'on a évoqué et éludé cette problématique liée aux infections sexuellement transmissibles et aux contraceptions, la différence. Donc voilà, la seule chose qui va vraiment vous protéger hein, concernant les IST et qui était aussi un moyen de contraception, c'est le préservatif. Qui reste malgré tout très répandu chez les jeunes. Pas assez parce qu'effectivement, on l'a vu, c'est quand même une population à risque et que les infections sont en augmentation. Pour autant, c'est une population qui se... Plus t'es jeune, plus t'as tendance à te protéger et utiliser le préservatif. Aussi parce que plus t'es vieux et plus tu migres vers des stratégies de contraception un peu plus durables dans le temps et où t'as un partenaire régulier un peu plus dans le temps, etc. Et c'est 98% d'efficacité, le préservatif, en tant qu'objet contraceptif. Donc c'est pas mal quand même. Et du coup, les digues dentaires aussi éventuellement pour les cunilingus et même les anulingus, je crois. Et voilà, globalement, on a fait le tour de ce qui empêche une infection sexuellement transmissible, du coup, par effet mécanique. En fait, en mettant un corps étranger, plastique et hermétique entre toi et la personne, ça empêche les germes de passer d'un côté à l'autre. Donc là, on a fait le tour... des IST, maintenant on va parler de contraception en tant que telle, c'est-à-dire se protéger de la plus grande des maladies, comme disent beaucoup d'humoristes, les enfants en MDR. Voilà. Bonjour, je suis Pablo Mira. Le préservatif étant fait, il reste... c'est le seul qui fait les deux. Voilà. Derrière, on va avoir le moyen de contraception le plus courant en France, je pense, qui est la pilule. La pilule, où il y a deux types de pilules différentes, œstroprogestative et microprogestative, la deuxième étant plus efficace que la première, et c'est 99,7% d'efficacité théorique. Il faut compter 7 jours avant d'être protégé à partir du premier comprimé, et le coût varie entre 3 et 10 euros par mois. Alors, en termes d'effets secondaires, puisqu'on en parle, et moi, c'est effectivement, quand on a été voir le gynéco, je suis venu avec toi pour qu'on parle notamment de notre stratégie de contraception, pour qu'on voit ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, parce que, effectivement, la pilule, et notamment, donc il y a plusieurs générations de pilules, et les toutes premières étaient notamment plus à risque, un risque assez important qui est le risque de thrombose artérielle. C'est une phlébite ou c'est pas oui, ça si. Notamment. Phlébite, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être un AVC. Donc c'est quand même un truc à savoir. Moi j'ai une anecdote assez rigolote. Quand j'étais jeune au lycée, mon médecin traitant savait que j'avais un peu des soucis avec l'acné. Et du coup, il m'a prescrit la Diane 35 parce qu'il m'a dit, ça fait à la fois pilule et à la fois ça peut t'aider pour ton acné. Donc j'ai pris ça pendant, 4-5 ans à peu près, je dirais. Non, allez, 3-4 ans. Et ensuite, je suis arrivée en Angleterre et il est arrivé le moment où il fallait que je me réapprovisionne de ça. Donc je vais à la pharmacie et en fait, en Angleterre, c'est un peu particulier, mais du coup, j'ai dû remplir un questionnaire en ligne. Et en fait, quand j'ai rempli tous les trucs de depuis combien de temps je prenais cette pilule-là, ça m'a juste fait un message en disant « Désolé, on peut pas vous en represcrire parce que du coup, normalement, on prescrit jamais plus de 3 ans la Diane 35 parce que sinon, ça augmente le risque de... » Une thrombose. Ouais. Voilà. Donc, on peut pas vous prescrire ça. Donc du coup, j'étais en mode « Eh ben d'accord !» Dans les autres effets secondaires, bon ou mauvais, en principe, ça réduit les règles, non ? Et notamment les douleurs de règles ? Oui, moi par exemple, j'avais pour les
les personnes menstruées qui sont dans le chat. Moi, je sais que j'étais vraiment très contente parce que quand je prenais la pilule, en fait, pendant mes règles, j'avais juste besoin de mettre des protège-slips. Ça suffisait. J'avais même pas besoin de mettre tampon, pas de serviette, rien. Juste les protège-slips, j'avais pas besoin de plus. C'était vraiment cool. Et en plus, oui, en fait, quand t'as tes règles, quand tu prends une pilule, c'est pas vraiment des vraies règles, en fait, parce que bah, du coup, c'est le fait que quand tu coupes quand tu fais ta semaine de pause, en fait, bah, t'as tout le parce que forcément, en fait, la pilule, ça épaissit ta glaire cervicale pour empêcher l'anidation. Et donc, du coup, bah, après, t'as toute cette couche. Bah, pendant ta semaine où tu prends plus ta pilule, bah, hop, elle est évacuée. L'implant. Parlons de l'implant. L'implant contraceptif que Maïtena a dans son bras, qu'elle s'est fait réinstaller il n'y a pas longtemps. L'implant, c'est, avec le stérilet, la méthode de contraception la plus efficace qui existe sur le marché. C'est 99,9% de réussite. C'est efficace aussitôt, dès la pause, et c'est efficace pendant 3 ans. C'est du coup l'équivalent de ce que pouvait avoir comme pilule, mais directement dans le corps et microdosé. À savoir quand même, je le note ici, il faut savoir régulièrement checker que vous l'avez bien. Plus il est en surface, mieux c'est. Quand même un effet secondaire potentiellement très grave mais très rare, c'est la migration de l'implant dans une artère ou dans une veine, notamment l'artère pulmonaire. Provoquant une embolie pulmonaire et potentiellement un décès. Ce qui me semble que quand elle me l'a posé au début, elle m'a dit peut-être l'histoire d'une journée ou deux là. Ouais, enfin d'accord, mais il y en a, la pilule, c'est faut attendre au moins 7 jours. Sauf la micro-progestative où tu peux attendre que 1 ou 2 jours. Et en fait, ton implant, c'est du micro-progestatif. Bah après, les histoires de. Enfin, c'est sûr que rien n'est efficace à 100%, mais. J'ai dit 99,9%. Je pense que les histoires de gens qui sont tombés enceintes sous contraception. Je pense que c'est dans des cas un peu extrêmes où je pense que je pense que c'est la personne qui peut-être était genre hyper féconde et du coup bah ça arrive hein. Même sous préservatif ça arrive. T'as pas de chance mais c'est comme ça quoi. Donc ça c'est plus efficace que le préservatif hein, notamment. Donc l'implant voilà ça théoriquement comme la pilule hein, ça fait moins mal moins de règles etc. En vrai c'est les mêmes effets que la pilule. Hein. Sauf que vous l'avez directement dans le corps, quoi, en continu. C'est ça. Pas besoin d'y penser. Voilà. Pendant 3 ans, c'est nickel. L'autre méthode dont on avait parlé, nous, et c'est vrai que moi j'étais un peu curieux, c'est le DIU, c'est-à-dire dispositif intra-utérin, le stérilet. Vous en avez deux types. Stérilet en cuivre, stérilet hormonal. Globalement, c'est un implant, mais local, quoi. C'est tout petit, un stérilet. C'est très efficace, hein, 99,9% encore une fois, mais il peut avoir quelques effets secondaires qui sont pour le coup vraiment différents, notamment des règles plus abondantes, plus douloureuses, ce qui est quand même dommage, et potentiellement des douleurs du partenaire pendant le rapport, ça peut arriver. Le patch, connaissez-vous les patchs ? Donc le patch, ça dure une semaine, enfin vous devez le changer toutes les semaines, vous le portez pendant 3 semaines, mais il est efficace pendant 4 semaines, c'est comme l'anneau vaginal. Efficace à 91%. Voilà de se trimballer avec un patch quand même. Oui, mais surtout le patch, du coup, ça veut dire que tu dois le. Enfin, faut que tu le. Voilà, à chaque fois, faut que tu le remettes. Pas oublier, il faut le mettre dès le premier jour des règles. Donc, aucune méthode n'est efficace à 100%. Et pour revenir sur les méthodes de contraception masculine, alors effectivement, il y a toute une histoire, la recherche, blablabla, la pilule pour les hommes quand même. Genre. Alors. Moi, voilà ce que j'ai lu. Je sais pas ce que ça vaut, je suis pas médecin, mais que globalement, c'est plus facile de traiter entre les deux genres, les deux types de gamètes qu'on produit dans le cadre d'une reproduction sexuée chez les mammifères. C'est plus facile de traiter la personne qui a un ovule que la personne qui fait des millions de spermatozoïdes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, même après la vasectomie, qui est quand même une méthode de contraception efficace, même après la vasectomie, qui rentre dans la stérilisation, hein, dans le cadre de la stérilisation, il faut attendre au moins 3 à 4 mois et faire un spermogramme pour être sûr que vous n'avez plus de préservatif. Vous n'avez plus de spermatozoïdes. Voilà, vous êtes plusieurs à avoir parlé du retrait. Franchement, le retrait, ça marche pas. Il faut arrêter avec ça. Le retrait, c'est ce que faisaient les gens avant les années 60, avec des résultats très très aléatoires. Alors je sais pas pourquoi, dans plein de milieux, et notamment même des milieux que je connais, hein, des milieux un peu de gauche, voilà, machin, un peu en mode nature,
fait la méthode du retrait. Bon, c'est des méthodes où inlassablement les meufs finissent par prendre un moment dans leur vie la pilule le lendemain. Donc peut-être pas non plus idéal. Le sperme ne sort pas forcément qu'au moment de l'éjaculation. Le sperme peut sortir pendant un rapport, tout simplement. Et le liquide séminal aussi, et potentiellement une source de fécondation. Mais il y a, pour rebondir à ce que dit Wirtz-Wurtz là, j'ai très mal prononcé je pense. Wirtz-Wurtz. 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 Très chiant ton nom. On dit pas qu'il n'y a pas de cause sexiste du tout, hein. C'est juste que il y a potentiellement une cause sexiste, mais je pense qu'il y a potentiellement une cause tout simplement logique qui est que, bah ouais, entre réussir à contenir quelqu'un qui est fertile 5 jours par mois et quelqu'un qui est fertile H24, c'est. Concrètement, voilà. C'est normal qu'il y en ait un qui risque d'être plus facile à faire que l'autre, quoi. Mais c'est sûr que. Depuis le temps que la pilule pour la femme existe, ça veut pas dire qu'ils auraient pas pu se. Puis c'est vrai, effectivement, tout un débat, comme le dit Ganzo ou Ganzo Kanzao dans le chat. Est-ce que vous feriez confiance, dans l'état actuellement de la société, avec le patriarcat et tout ce que vous voulez, est-ce que vous feriez confiance en tant que femme au fait que la contraception repose sur des hommes ? Alors que c'est toi qui vas tomber enceinte potentiellement et qui te retrouves avec le problème. Mais par contre, il existe aussi un moyen de stérilisation, qui est la vasectomie. Et je pense qu'avec le préservatif et la vasectomie, les hommes peuvent quand même, malgré tout, gérer leur contraception de réussite. Mais après, au final, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup de couples, notamment beaucoup de couples hétérosexuels, en fait, ce qui se passe, c'est jusqu'à ce qu'il y ait les enfants, si c'est des couples qui en veulent, bah, c'est la femme qui prend la charge mentale de la contraception à base de pilules, de stérilets, d'implants. Et ensuite, une fois que les enfants sont arrivés et que bah il y a décision commune de dire bah c'est bon, on n'en veut pas plus. Du coup, l'homme se stérilise. Ce qui, je pense, nous, c'est comme ça qu'on va faire. Hein. Le mieux, évidemment, c'est de le gérer à deux. Hein. Bah, je pense, j'ai envie de dire, la meilleure méthode, c'est celle qu'on choisit. Hein. En tout cas, sachez que la vasectomie est la stratégie de stérilisation privilégiée aujourd'hui en France dans le cadre du couple. Plus que on stérilise plutôt les hommes que les femmes. On fait plus de vasectomie que de ligature des trompes. Encore une fois, par contre, il faut attendre 3 à 4 mois et faire un spermogramme pour être sûr que c'est efficace. Bref, je pense qu'on a fait le tour quand même de protégez-vous, dépistez-vous aussi. Hein. Important en vrai, dépistez-vous. Une ordonnance du médecin, vous allez au labo du coin et dépistez-vous. En vrai, ça coûte rien. C'est remboursé normalement.